C'est de la torture de rêver de ça, puis de se réveiller. T'as failli me faire peur, espèce d'enfoiré! Un vrai dur à cuire, nom de Dieu! Hé, hey, chien! Va chercher! Soldat Wyatt, merci. À tout à l'heure, mon capitaine. Bon, ça fait des années qu'on n'a pas été aussi près du général Strasse. On élimine le boucher, on paralyse la machine de guerre des Fritz. C'est pas vrai, c'est lui! C'est le boucher! Aidez-moi à choisir. Regardez en direction de celui que vous voulez que je dissecte. Vous croyez avoir tout vu, mais je ne connaissais pas la vraie cruauté. Jusqu'à maintenant. Oh, j'ai dossé. Bien. Bon travail, Blaskovitz. Allez, viens! On fout ce temps d'ici! J'aperçois quelqu'un. Elle s'appelle Anya. Elle prend bien soin de moi. On est en 60. Les États-Unis, ils se sont rendus il y a 12 ans maintenant, après les bombardements nazis sur leur pays. Dans un train pour Berlin. Très beau visage à rien. Où sont les combattants de la résistance? B.J. Blaskovitz. Tu es donc en vie, Caroline? En vie, mais obligée de chier dans un putain de sac. Ils pensent que la guerre est finie, que nous sommes faibles, que nous n'avons pas le cran de nous opposer à eux. Et comme toujours, ils sont dans cette race. Selon les registres officiels, il a été détenu puis envoyé dans un camp de travail. C'est vous, cette race? Je ne suis pas décidé. Que savez-vous de cette race? Vous êtes de la Datichune, source de la technologie nazie. Je viens vous sauver. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches, l'ami. Moi, c'est bon, Vate. William J. Blaskovitz, fais gaffe à toi. Personne n'est qui. Maxos! C'est réciproque, Max! Max n'aime pas la violence et il ne veut pas qu'il y ait de blessés. La Datichune est une société mystique antique. Nous inventons des choses. La technologie mise au point par la Datichune a des siècles d'avance sur tout ce que vous avez pu voir. Ou imaginer. Ravi de te retrouver, Blaskovitz. C'est votre vieille amie Frau Engel qui mène l'attaque. Le boucher doit l'avoir promue pour sa méticulosité dans le camp. Hé, hey, capitaine! Vous avez volé le marteau d'Eva! C'est le sous-marin le plus puissant de toute cette satanée flotte allemande! Tu rentres dans la base le plus vite possible. On raye le boucher de la surface de la Terre. Le boucher? J'aurais dû tuer ce type il y a longtemps. Je vous ai pris près de vous. Capitaine, on est en position. Le canon nucléaire est armé. Permission de tirer? Rentrera pas ce soir. Il reste à Dallas pour le travail. Oh, pauvre petit, il t'a vraiment amoché. Reste tranquille, repose-toi. J'ai de la soupe et du porridge. Qu'est-ce que tu préférerais? Allez, capitaine, choisissez pour moi! «
Vous êtes têtu, capitaine Blazkowicz. Une belle qualité. En ce qui me concerne, je suis extrêmement patient. Je me demande qui l'emportera, votre obstination ou ma patience. C'est une tâche très simple. Regardez en direction de celui que vous voulez me laisser. J'attends votre choix. Allez, capitaine, choisissez pour moi. Vous êtes têtu, capitaine Blazkowicz. Une belle qualité. En ce qui me concerne, je suis extrêmement patient. Je me demande qui l'emportera, votre obstination ou ma patience. C'est une tâche très simple. Regardez en direction de celui que vous voulez me laisser. J'attends votre choix. Anya, qu'y a-t-il ? Je le vois ! Caroline, par ici ! William ! T'es vraiment trop bête ! T'as vraiment cru qu'on allait te laisser ici ? Putain de merde ! Il a les tripes à l'air ! Faut les retenir ! Mettez-les ici ! Ah, c'est pas bon ! On le met dans l'hélico ! Doucement, doucement ! Je suis heureux d'avoir terminé le travail pour lequel on m'a envoyé sur Terre. Entouré de gens qui m'aiment. Aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Bon, Bate, on est sortis. Feu ! Oui, madame. Il se vide de son sang plus vite ! Vengeance ! Une vague de chaleur m'envahit. Serviette ! On dirait que le ciel est en feu. Oui. Caroline, il meurt ! Appuyez ! Elle devient tout bleue ! Bon, Bate, tu viens dans le hangar. HPA 90. J'entends la faucheuse. Elle hurle mon nom. Blazkowicz. Salut, ma grande. Désolé de t'avoir fait attendre. Hermel Haevim de Vogt. Jegmalani Koltov. Laisse-moi te montrer quelque chose, Billy. Mon père m'a demandé de donner ceci à mon fils. Si un jour j'en avais un. C'est une alliance. Elle est dans notre famille. Depuis 8 générations. Tu te rends compte, mon Billy ? C'est ce qu'on appelle un bijou de famille. Quand tu rencontreras quelqu'un de spécial, tu la lui mettras au doigt. Cette bague est d'une grande valeur. Bordel ! Je suis sûr qu'il doit faire au moins 40 degrés dehors. Ne parle pas de l'anneau à ton père. Il n'est pas au courant. Tu le connais, il le prendrait sûrement. Sophia. Mère, suis-je acquitté ? Ai-je été juste et bon ? Assez bon pour être admis au paradis. T'as aucune idée de ce que c'est que souffrir comme moi je souffre. Oh non, mère. C'est l'enfer qui m'attend. Tirez, tirez, Bombait ! Je vais devoir couper la plus grande partie de ses intestins. Faites ce qu'il faut, cette pitié. Reste avec nous, Blazkowicz. Sors vainqueur de ce combat. Et alors, je te promets, je te jure, Idola, que tout ira bien. Faites venir quiconque peut donner du sang, vite! Écoutez-moi! Toi, toi et toi! Ramenez tout le monde et dites-leur de faire la queue à l'infirmerie! Bougez-vous! Il me faut de la lumière! Reste là sans un bruit. Il arrive. Sophia, il est là? Non. Dégage, Sophia! Il ne mérite pas ça, tu le sais bien. Te fous pas de ma gueule, je l'ai vu avec elle. Il est jeune, il l'aime bien, il ne comprend pas encore. Il sait parfaitement bien qu'il doit pas perdre son temps avec une putain de sale négresse. Je ne te laisserai plus faire de mal à mon fils, plus jamais. Tu n'as aucune idée de ce que j'endure. Oh, Sophia, je me décarcasse tous les jours. Je me fais grappiller ma thune à droite et à gauche. Je me fais humilier juste pour garder mes affaires à flot. Je les ai vus tous les deux, Sophie, à bon sang, à se faire des papouilles sous le peuplier. C'est pas tolérable.
J'ai travaillé beaucoup trop dur et bien trop longtemps pour perdre ma réputation parce que mon petit s'est amouraché d'une négresse. Rip, on ne peut pas vivre comme ça. Moi, je cuisine, je nettoie, je m'occupe de l'étable et des champs. Tu n'es pas le seul à souffrir, Rip. Tu aurais dû mettre la clé sous la porte, comme mon père te l'a dit. On a des dettes énormes. 3 mois de retard pour l'électricité, sans parler du fait que tu as perdu tout l'argent que mon père avait investi. Tu joues avec le feu, Sophia. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je suis pas vraiment le genre de gars avec qui tu peux te la ramener. Et tu n'es pas l'homme que j'ai épousé. J'ai épousé un homme qui n'aurait jamais laissé sa famille avoir faim. Je jure que je ne te laisserai plus jamais toucher un cheveu de mon fils. Ferme ton caquet ou c'est moi qui te le ferme. Plus jamais! C'est quoi votre problème à vous, les Juifs? Vous avez réponse à tout, hein? Quand je t'ai épousé, je pensais que ton père me servirait de tremplin. Mais en fin de compte, t'es qu'un boulet. Tu colles ton nez dans mes affaires au lieu de te mêler des tiennes. Si t'es pas capable d'élever notre fils, eh ben je vais m'en charger. Va-t'en! Espèce de sale... Caché dans un placard. Tu me donnes envie de gerber, voilà tout. Ramène ton cul par ici, tout de suite! T'es tellement faible, ils vont te chercher des poux, ils vont te briser, ils te font bouffer de la terre. Et qu'est-ce que tu feras? Tu... Putain, là t'as signé ton arrêt de mort. Chut. Respire doucement, Blaskowitz. Récupère tes forces. De grandes choses se préparent. Le vent va tourner. Le cercle de Kraïso se lève. Et j'aurai besoin de toi à mes côtés quand nous frapperons. Tu sens les coups de pied? À table! Oui, t'es une gentille fifille. Oui, Bessie, t'es une gentille fifille. Tu peux gémir autant que tu veux, t'iras nulle part. Dans la vie, on prend des décisions difficiles. Et parfois, il faut punir les animaux qui nous entourent. C'est tuer ou être tué. Les vieux et les faibles sont condamnés. Toute cette racaille, ces ordures, ces cancres-là qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour dérober à l'homme blanc tout ce qu'il a gagné. C'est à nous de remettre de l'ordre dans tout ça. C'est à toi. Le doigt sur la détente. Allez, comme ça. Et maintenant, tire. Allez, tire. Souviens-toi, mon garçon. Tout ça finira mieux que ça n'a commencé. Qui c'est ça? C'est moi? C'est moi, ça? Les vieux et les faibles sont condamnés. Oh !
C'est vous. Prenez ça. Ils viennent pour vous. Eh merde! Ils sont là! Non!